Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, euh, les huîtres, je suis un peu une, une folle des huîtres. Et je trouve que les huîtres, c'est un coquillage qui, qui est plein, empli de lumière. C'est vraiment comme quand je mange une huître, je me sens lumineuse. Et donc, euh, j'ai envie d'un... Oui, pour moi, j'ai envie de vous proposer qu'on se fasse une, un, petit trip, euh, un petit trip lumineux euh, aujourd'hui. Euh, donc, on va déguster un vin qui, généralement, s'apprête assez bien avec euh, cette coquille pleine de lumière qui s'appelle l'huître. Chablis, les serres du domaine Houdin, euh, récolte 2007. On goûte à ça. Il y a des gens qui disent que euh, à Montréal, on a de plus en plus d'huîtres, puis c'est comme la chose, puis ça s'en vient un peu banal de manger des huîtres, mais je trouve que le monde de l'huître est tellement complexe que, voilà, pour moi, c'est exceptionnel, en fait, qu'on ait de plus en plus d'endroits de, où, où ils vendent des huîtres, puis pas nécessairement les mêmes. Euh, c'est vrai que j'ai vécu, moi, des moments d'huître. Euh, Tellement différent parce que l'huître, c'est un peu comme le vin, c'est vraiment un, un produit du terroir et tout dépendant d'où elle est, cette huître, où elle est née. En fait, on on, wow, on goûte des, des, des trucs complètement différents, puis vraiment des formes, des textures, tout ça. Donc, euh, si on revient au vin, euh, Chablis, donc nord de la Bourgogne, on est sur du Chardonnay. Euh, domaine Houdin, c'est un domaine qui travaille euh, plutôt euh, de façon euh, bio euh, la vigne. Euh, c'est euh, une jeune femme là, qui reprend le domaine tranquillement là, de, 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 de son père, donc Nathalie en fait. Euh, et, euh, et voilà, donc on goûte à ça. J'aime bien dire que les Chablis, c'est des vins de coquillages. Donc, ça tombe bien, hein? Parce que, pour le, déjà, le terroir de Chablis, c'est du chiméridien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, du chiméridien. Mon Dieu, chiméridien! Chiméridien! Hey, c'est épatant quand on voit vraiment un beau morceau de chiméridien. C'est vraiment des fossiles et des petits coquillages qui sont dans la terre. Puis, euh, qui, sont, ben, qui sont enfouis dans la terre. Puis, vraiment, on peut avoir des chiméridiens gros comme ça, gros comme ça, gros comme ça. Bref, une fois, j'étais à Chablis et on m'a montré un chiméridien. Puis là, j'ai fait oh, « je le rapporte. Donc, j'ai décidé que je le rapportais. Et je l'ai traîné hein, pendant pendant longtemps dans la voiture, tout ça. Tout le long du voyage, j'ai traîné mon kiméridien. Puis, on me disait Mais non, mais Henri, laisse, laisse faire ça. C'est bien trop lourd pour les bagages. Et non, j'étais attachée à mon kiméridien. Et malheureusement, avant de reprendre l'avion, mes bagages étaient trop lourds. Puis, il a fallu que je me défasse de mon kiméridien parce que je voulais rapporter des bouteilles aussi. Et donc, le kiméridien, bien, il s'est retrouvé dans le stationnement de l'aéroport. OK, le nez est. Le nez est coquillage, il y a un petit peu de citron, je sens un peu de fruits. On goûte? La bouche est vive, citronnée. Euh, il y a un peu d'amertume en finale. Je ne dirais pas que c'est le vin le plus minéral que j'ai goûté. La minéralité étant pas de l'acidité. Il y a de l'acidité ici, c'est vif. Euh, c'est. Euh, on est sur un 2007, donc c'est. Wow! Il y a une belle. Euh, présence aromatique, euh, mais en termes de vraiment prestance minérale, ce qui reste après, il y en a un petit peu, mais je dirais que c'est plus euh, plus euh, un, un genre d'amertume qui reste que vraiment une, une minéralité, même si j'en sens quand même un petit peu. Euh, je pense que ça serait tout à fait à propos pour mes huîtres, un moment de lumière pour un vin de lumière, Chablis, les serres récolte 2007 du Domaine Houdin, but sur le web.